Salut la gang! On est de retour pour une nouvelle dégustation de bière. On est allé au Dev à côté, on a choisi une sélection de bières dégueulasses, a.k.a. la microbrasserie. Aussi appelée la microbrasserie. Puis on va noter ça sur deux critères. Qu'est-ce que ça goûte, puis comment ça shotgun, parce que c'est bien important. Là, mention spéciale, je suis fucking hangover, fait que ça part très bien. Puis on va y aller bien simple. Ça va être Billy qui va commencer vu que c'est le catch. On va y aller de même. Les dernières, ils vont sûrement se ramasser, genre la milkshake, je sais pas, le Chris. Puis genre la bière forte à 8%, celle-là, on la veut pas. Mais savez-vous quoi, ça tombe fucking bien parce que j'ai fucking soif. Ah ouais, pas moi. Oh, t'es spoté, toi, ok. Celle-là, je l'ai pris dans le dev parce que je savais que j'allais l'aimer. Puis je veux commencer avec quelque chose qui me motive. Mais là, par contre, j'ai pas pensé à mon affaire, je t'habille en blanc. C'est pas grave. Je sélectionne le gros Chris de poignard et c'est l'infusé, une bière blanche à l'hibiscus des brasseurs du monde. 5,4%. Ouh, ça s'est très bien passé. Un petit mist. Non, c'est ça, j'ai pas fait de ma présélection, là, Chris. Pas une blonde à quelque part, on m'a commencé ça soft. Wow, il y a des pictogrammes pour dire c'est quoi le goût. Ça goûte le fromage, le gâteau, le poulet et le poisson. Le poulet et le poisson. Ah non, je pense que ça dit ça avec quoi que tu peux le boire. Ah. Ah! Donc la infusée. Le goût, je dirais 5. Sur 10? Ouais, parce que pour une bière dégueu, c'est vraiment bon. Mais c'est quand même une bière dégueu. Puis l'éclat, le shotgun? Je dirais 3. Parce qu'elle est dure à ouvrir, puis elle est pas facile à shotgunner. Je trouve que ça s'avait très très bien passé. Ah ouais? Non, 3. 5, 5, 5, 3. C'est trop tard, c'est fini. On a réglé ça. Okay. On sera pas à journée sur ton infusée. De 3, ça veut dire que c'est moi? C'est toi qui choisis. Ah, mais ça m'aide pas! Je vais y aller parce que je vais à blonde et je joue pas avec ma balle. La classique blonde de chez qui ça donc? Broken Seven! Ça a l'air quand même bon pour vrai. Puis j'y vais. Mais ça me donne des outils moi aussi. Et j'y vais avec le crest de Jaguar juste ici. Hey, ton c'est où? C'est pas moi qui l'ai arraché, hein? Jusqu'à là, je suis très très satisfait. C'est mouillé dans mon dos! Qu'est-ce qu'il y a à boire ça? Oh, il y en a sur le plafond, puis là ça coule sur moi! Wesh! Ok, je vois. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a à boire ça? Assis, hein, faire un shotgun aussi, on s'en parlera. Ouais, assis, ça passe vraiment moins bien. Je vais revenir droit, comme qui disait Cote. Oh, vas-y. Ouh, ouais, c'est parti! J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Pourquoi on a acheté des talcans? Parce qu'il y avait juste des talcans! C'est sûr qu'il y avait un gap de microbrasserie un petit peu plus loin qu'on aurait pas acheté des normal cannes. Ouais, ça c'est sûr que oui. Ouais, c'est pas satisfaisant de se rendre à mi-chemin là, c'est-tu, puis. C'est énorme, ça finit pas, je vais finir. Ça finit pas, tu prends des gorgées, c'est sans fin. Prends le sac à dos à Hermione. Le quoi? Ok. Les gens, ils ont compris de quoi je parle. Par exemple, il y a le monsieur du Dep, quand ils avaient acheté nos 1000 bières, il a dit « Qu'est-ce que vous collez? » Il est comme « T'as une dégustation de YouTube, j'imagine? » Il dit « Je veux avoir votre YouTube. » Et je m'en vois ça direct. Oh, il a donné. Il ne connaît pas ce monsieur-là, il fait d'argent. Ben oui, il sait pas, c'est point. Combien pour le goût? Christa Bon, là, c'était une blonde normale, genre un 7 fort. Bon. Marc 7 fort. Ça a bien pété, j'aimais ça, moi. C'était c'est un bon pétage. Peut-être 6. 6 fort. Ou 7 faibles. Non, 6 forts. Parfait. Fait que c'est laquelle que tu as sélectionné, mon fils? Saison des plages. La Boréale, saison des plages. Combien de pourcents, ça? 4,9. Ah. C'est dommage parce que je m'enlignais sur celle-là, Amnesty. Ah, ben moi aussi, je m'enlignais sur celle-là. Mais c'est tout le monde a le droit à une pas mauvaise. Puis les trois qu'on a pris, je pense que c'est les moins payés. Ouais, après ça, c'est après ça, on tombe dans mal. On s'est vraiment pas aidé. Hein. Non. Tu tournes la vis ici. Ça va. Vas-y. Oh, il dit survivre. Après tant d'années, j'aime encore ça. Après tant d'années, puis encore. Hey, ça sent bon. Ça goûte la Boréale classique. C'était beau, en tout cas, c'était beau. Ça sent genre le citron, le pamplemousse. C'était le fun, ça. Mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une nouvelle maison, dans le nouveau sol. Tout est fait en pente de même pour couler dans le drain. Fait que la table est en train tranquillement pas vite de se rentrer dans le drain. En même temps, c'est pratique parce qu'on peut juste tout coller dans le drain. Ouais, c'est ça, on a acheté
Et quand, on va penser à notre appart. Quand t'achètes ton appart en fonction de on peut-tu brosser dedans ou ben non, ça va tout décoller ici, nos belles boiseries. Non? Si, y a rien à décoller. Béton, on pas tout. Ça coule n'importe où, ça va coller. Quand même peiner dans le drain. No stress. On est comme dans un parking. Quand il y a trop de terre à terre, tu fais juste passer la hose là-dedans. Tout dans le drain. Finalement, c'était bon? Pis sur le 10. Goût. Bah, c'était. Non, c'était une bonne. Un 8 faible. Oh! Si, boire. Ouais, non, elle était pas mauvaise. Mais je pense que les deux, tout le monde avait spoté ce style-là. C'est ouais. Elle qui avait l'air la meilleure. D'après moi, ouais. Elle va gagner. Puis ça, c'était beau quand c'était éclaté aussi. Ah, c'était un beau une miss. Belle brune. Ah, non, c'était. Ça faisait très place. C'était pas agressant non plus. C'était juste rafraîchissant. J'aimais ça. Combien d'efficaces? Non, ça, c'est. T'as un 9, ça, je pense. Oh, aussi, oh oui, c'est un 9, ça. Je pense que c'est un 9, ça. Ah, ouais, ça va être dur à déloger, ça. C'est une bonne honnêteté, celle-là. Ça, c'est quoi, ça? Touche pas à ça. Et là, c'est à moi. Ouais, bonne chance, ma vie. J'observe. C'est une bière aux bonbons. Ah. Oh. Ok, je vais essayer. 6%. Bière forte aux bonbons des Brasseurs du Monde. En date, j'ai pris deux bières du Brasseurs du Monde. J'ai peut-être un parti pris. Je vais choisir. La clé anglaise. Ben, c'est ça, je m'en ai. C'est pas une clé à molette? Je sais pas. Ça? Je pourrais pas confirmer ou infirmer. C'est une clé anglaise ou une clé à molette? On va l'écrire au montage, ok? 3, 2, 1, wouh! C'est une béhèche! Ha! Marmaque! Mon beau look du dimanche! Hey, si moi je pensais à aller m'acheter une corvette avec ça, je vais avoir l'air fancy si pour avoir l'air présentable devant les acheteurs. Ben oui, je suis capable, si j'ai du budget. Dans le paiement, c'est une maison. Oh, ouais, il a pas été trop attaqué. Elle a double pince. Ah, fait que t'avais déjà du souffle. Pour ça, ça allait mal parce que. Mais non, parce que ou ben non, ça va bien. Je buvais là, ça coulait sur mon ventre. T'as même pas besoin de l'ouvrir parce que ça fait déjà deux trous, tu vois dans l'autre d'en bas. Tu sais, tu rouvres ça. Par l'autre bord pour être sûr de te couper de l'air. Je sais pas si on peut voir à l'écran, mais j'ai l'impression que tout le monde dans l'histoire de l'humanité, quand il pète une bière, la replie par en dedans pour se couper, elle s'est dit je vais tout ressortir les morceaux aiguisés de métal, ta couque. Est-ce qu'il y a une petite porte? Non, oui, mais de par l'autre bord. Qui fait ça? Personne. Ouais, tu vas t'enfermer la porte. Tabarnak, t'es-tu complètement débile? Hein, là, tu vois ton projet est pas si bon que ça. Hein, il pas fou, ça. Oh, le lac mégantique, ah. Là. Ah, ouais, non, ça coule, attends. Ça va dans le drain. Ça va dans le drain, on laisse faire. C'est parti dans le drain. Le goût, je dirais 6. C'était bon, genre, honnêtement, j'en rachèterais peut-être. Oh, c'est voir. C'est 6 encore. Jusqu'à date, il n'y en a pas tant là-dedans que je rachèterais, moi, Chris. J'en rachèterais pour en faire goûter à quelqu'un dans des petits bars. Ah, ouais. Un shot de ça. Je sais pas, ça. T'es on dirait que ça rejoint un peu le sourpuss dans mon cœur. Il y a comme un affaire là-dedans. Ça, un peu bizarre, mais c'est pas grave. L'éclat, ben, j'irais 9 parce que Maxime est encore tout humide. Mm-hmm. Ah, c'était bon, ça, quand je suis. Ça veut dire que ça revole bien. Ça a full revolé. C'est à moi, puis j'ai spoté un outil tantôt. Je vous en reviens. Il dit, je suis parti chercher mon outil au loin, qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est de la tech originale. Je sais pas, j'ai déjà vu. Ouais, j'ai déjà vu ça quelque part. Ok, je suis prêt. Ça part avec la scie à onglet. Non, c'est ça, j'ai changé de place avec Billy parce que la rallonge, elle se rendait pas. Là. Je vais essayer de pas me couper un bras non plus. moins satisfait que je pensais. Je vais lui redonner une petite shot. Mais c'est parce que j'ai. C'est parce que j'ai essayé de me pas couper une main, fait que finalement, c'est pour. Waouh! Pas fait ça. Shotgun! Moi aussi, ça a l'air aiguisé, là. J'ai un peu tout. Dans le drain! C'est le fun à ce temps, tu peux faire du breakdance à faire tes pieds. Ah oh, ouais! On s'est fait un beau parquet! Pour vrai, on se travaille un lac mégantique ici dans le coin. Là. Ça a été un shotgun assez difficile parce que il faut que j'ai un shotgun avec les dents fermées parce que je veux pas prendre des bouts de métal de chainsaw. La tech! On sait pas si la bière était bonne, mais en tout cas, le shotgun était malade! Le shotgun, je pense que j'aurais 10. Parfait. 10? Non, c'est pas vrai, j'ai fait que je le fasse deux fois. Ça tombe à 8. Parce que c'était, ça avait beau être le fun. Un 8 fort. Ouais, c'est ça. 8 fort.
Le goût, Chris, je suis pas mal sûr que c'était. En tout cas, moi, c'est la meilleure que j'ai bu à l'aise. J'avais combien d'autres 7 forts 8 forts. 8 forts, ok. Ça a goûté un peu genre la face. Peut-être 9 forts. 9. Non, 8. Faible. Non, 8. 8.5. Parfait. Young Duke qui arrive avec son prochain item. Son prochain item de perse. La double dose, mon malade mental. C'est sûr. Assez fort pour tuer un fœtus. Ouais, c'est écrit derrière ça. C'est pas moi qui te dis. C'est écrit en arrière. Bon. 8%? Okay. 9%? Attention, les gars. Oh! Ça va marcher, là. Chris, là. Je peux pas croire que tu peux péter ça sur une tête à quelqu'un. Puis pas sur un shred. Ça y va. J'ai eu confiance. Là, ça a explosé. Mais est-ce que j'ai détaillé l'objectif? Parce qu'en ce moment, on ne nous voit plus. Peut-être. Donc, alors, on va finir la gunshot. On a avant. C'est vraiment terrible comme bière. Ça goûte dégueulassement. Le lac Michigan. Et ça s'en va tout dans le drain. Chance qu'on a un drain. Une gros. Chance qu'on a un drain, la gueule. Ha! Hi! Je comprends pas que Penny sert à quoi, Penny. Parce qu'on va pas se mentir, Penny, ça sert à rien, ici. C'est ça l'affaire, c'est que quand on envoie de la bière sur le plateau, après ça, on nous retombe dessus. Ouais, c'est ça. C'est genre karma. Oh. Mais c'est juste de la petite bière. T'es hors jungle de la petite bière. Hors jungle de la petite bière. La double dose, combien pour le goût? Et ça n'a pas de l'air bon, mais la femme enceinte. Un moins 8. Oh, il l'a dit. Non, c'était... C'était une quoi? C'était une IPA? C'est quoi? Sais-tu? C'est une bière forte. Là, tu as mettrais ça à combien? La douche monumentale qui a reposé toutes les îles de Montréal? Mais ça a été tough, par exemple, avec ça arrive, mais quand c'est arrivé, moi j'ai eu du fun. Ouais, yeah, ça c'est vrai. Ça l'a fait un. Ça l'a build up un. C'est vrai que t'as fait un momentum. Ça a fait un hype. C'est comme quand t'as fait un job de la thune, tu sais. Ouais. Et c'était bon, là. Un 8 fort ou un 9 faible? Un 8 fort. C'est quoi celle-là, là? Montre-moi donc la mosaïque. Parasol. C'est quoi qui est écrit? Double IPA. Okay, 8% et ta mère. Et la canne en a belle, mais Chris, finalement. Je vais prendre elle. C'est une blanche américaine 4%. Ça s'appelle Mélodie. Je vais peut-être essayer le triple poignard. C'est quand même cool. Hein. Tu veux te couper de main? Le triple poignard. Là, la question, c'est comment les tenir? J'ai rarement vu une idée mauvaise de même. Ça, c'est rare. Hey, ça, là. OK. Elle est je suis pas responsable. Hey, mais... merde. Attends, mais lui, il veut oui, pas. Oui, fais attention. Moi, oui, j'en montre pas de doigt, là. Fais-tu tous tes doigts, là? Ben oui, ben là. Ouais. Voyons, si c'est moi qui ai des faux ongles, là. Oh, notre belle lisse! C'est la bière la plus dégueulasse que j'ai bu de toute ma vie. Elle sent la bière qui sent. Qui, ça goûte pas bon, genre. Oh! Elle sent quelque chose, elle sent fort. Ça sent vraiment le. Ça sent la bière forte, mais. Je suis de crevette, mon homme, là. Oh! C'est vrai qu'elle sent le poisson. En prenant la première gorgée, j'ai failli faire un petit puke. Non, ouais. Mais je me suis dit, c'est trop tôt. Je peux pas bon, le trou, ma fille. Ouais, 3 couteaux pour un si petit trou. J'aurais pu perdre mes doigts pour me faire. Parce qu'il y a un revêtement. Ouais, les revêtements, c'est dégueu un peu. Ça m'écœure. C'est vrai que ça goûte un peu à crevette. Ouais, hein? Elle est aux fruits de mer, genre? Je comprends pas. Une blanche à crevette. C'est dégueulasse. Tu mélanges juste crevette à la fin. C'est vraiment dégueulasse. T'as-tu goûté? Ben oui. Viens-t'en la crevette aussi. Mais peut-être pas crevette, là, mais fruits de mer, là, genre ouais, pétanque. Fruits de mer, saumon. Trouves-tu? Ça goûte vraiment les fruits de mer. Ouais, c'est ça, ça goûte les fruits de mer. La pétanque, peut-être t'as raison sur la pétanque. Pétanque, hein? Je dirais moins 5. C'est pas curieux, tu dis ça. Ouais. Puis pour les clous étaient quand même fun, non? Le triple poignard! C'était dangereux. C'était-tu le fun? Pas tant. Dangereux? Oui. 2 sur 10. Non, c'est 5. 6. C'est ton éclat. 6 points dangereux. Mais je mettrais une mention spéciale parce que t'as pas perdu le doigt. Donc c'est un point de plus. Donc ce serait. La Mazekine Lager Festive, 5.6% de la brasserie Donan. Sans farce, le mot festif me convainc. Ouais, hein? Encore les choses cachées dans ben ce. Ben ouais, mais il est un peu moins le fun, celui-là. Ça, c'est mon père qui m'a acheté ça à Noël. C'est une prise de téléphone portable, c'est pas les farces.
C'est une prise portative de téléphone portable, mais c'est aussi une affaire pour péter des bières. Et ou des fenêtres de char. C'est vrai, pour péter les fenêtres de char, t'as cru que tu vas poigner dans un carambolage en hiver. C'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est vraiment l'utilité du site du pic dans le coin. Ouais. C'est vraiment c'est péter des affaires. Là, je vais l'aller parce que j'aime bien Young Zo, là. Fait que je vais. Ok, je vais. 3, 2, festivité. Regarde, est-ce que je vomis souvent? Vomis dans le chalon? Vas-y. Ah ouais, on a sac. Parce que je vomis souvent, oui. Oui, c'est vrai qu'il vomit souvent. Mais vomir, c'est repartir. Hey, c'était bon? Ouais. Je m'en souviens plus, je commence à être chaud. C'était la marzen. Hey, c'était bon, c'était festif. C'était la première bière que j'ai pu s'acheter de bière au complet. Fait que c'est 9, 11, 7. Je dirais 8.6. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Oh oui, avec la prise de téléphone portable. Hey, c'était hot, tu vois. C'était hot, ça. Correct, non, mais correct, c'est 7 fort. Mais c'était bon, c'est. Quoi j'ai pris là? Parce que ce qu'on a fait, là, on avait une stratégie, c'est de boire les meilleurs en premier. Fait que les rajouts, c'est dégueulasse et chaud. Ouais, mais quand ça, on est sous, on s'en rend moins compte. Fait que tu as choisi ta bière, Young Du. Ah, 15, oui, est-ce il dit, c'est celle-ci que j'ai choisi, c'est quoi? La dernière blanche qui reste sur la table. Aussi bon, oh, alors c'est réagi. Là, je vais nettoyer un peu parce que je vois la poussière noire sous le top de la canisse. C'est fucking dégueulasse. En même temps, avec sa on les beau voit par le top. Non, Chris, c'est une colise de chat. C'est qui le cave qui boit ça par le top? Tu sais, il faut être drôle d'acheter ça puis se dire, moi, la siroter ce soir. Ah! Oh, moi, t'as que t'as nettoyé avec ta cravate. Ah non, mais on est professionnel, on n'est pas professionnel. On a mis nos kids du dimanche aujourd'hui, c'est malade. On est tellement dimanche. Tu fais mal avec les affaires. Toi, moi. Ah non, c'est Billy a fait ses. Moi, j'ai fait la triple poignard. C'est 8 poignards en même temps, ça s'est chopé un doigt. Là. Moi, je peux bien être capable d'aller ses sous autres. De couture, j'imagine. Bon, ben. Oh, hey, wow. T'es bon dans tes affaires. T'es vraiment bon. C'était fun, ça. C'était fun. Sauf que là, je pense qu'on voit plus rien parce que c'est tout arrivé dans. Ouais, moi aussi, j'ai pensé à ça. Combien pour le goût? Un 3. 3? L'éclat? C'est quand même. Ah oui, c'est encore une belle mise comme c'est ça. C'est un beau métier. C'est vrai, depuis tantôt, on parle, mais on voit plus rien. Et c'est vrai que. Oui, mais en même temps, le trou, il a failli se le refaire, c'est un peu différent. Putain, il y a rien partout. Parfait. Il dit, je glisse jusqu'à la c'est comme les souliers avec les. Hey, tu peux glider jusqu'à l'autre bout, mon fucking homme. Right. Tu peux glider sur ton drap. Walk. Elle a peur, mais c'est. Fait que là, l'éclat c'était fort. Fait que l'éclat était fort, c'est sûr que tu sais, ça perd de points, deux trous. Fait que. Un, six fort. Six fort. Checker, c'est mon nouvel item. J'ai choisi la Smoothie Sour des deux frères, série découverte, framboise 5,7%, 473 ml, bière post-forte. Faut qu'elle soit servie dans ton ventre. De 4,7 degrés! Et voilà! Si, là, je pognais avec la tricycle. Oh, tous les documents! X-Files, c'est ça. C'est notre parchemin. C'est la meilleure bière que j'ai goûtée de toute ma vie. Ah, c'est vrai? Pour vrai. Je veux-tu goûter? Elle est vraiment genre bonne. J'en boirais dans une petite coupe de champagne en brunch. Je comprends pourquoi tu pourrais aimer ça, mais moi je trouve ça dégueulasse. Mais on a fait le goût. C'est fucking bon. En fait, ça goûte la vin rouge. Ça goûte la sangria. Ouais. J'ai l'impression de boire une sangria. On dirait vraiment que tu bois genre un seltzer, mais. Oh, sledzer. Sledzer. Tu bois un sledzer, mais. Sledzer. Sledzer. 5,7. 5,7. Sledzer. 5,7 de sledzer. Ah, ça veut dire que si la brasserie les deux frères veulent nous sponsor, je suis down. Puis je promets d'arrêter de dire que les bières de microbrasserie, c'est des bières de micro-dèche. Burn! 10 sur 10 pour le goût. Oh, burn! Mais l'éclat, il a été dur à avoir, mais il était quand même le fun. Moi, j'ai vu. T'as travaillé en. Je suis tellement toute mouillée. J'aurais peut-être eu 7-8. 7-8. J'ai acheté le laser de Dieu du ciel avec la petite voiture juste ici. Puis moi, je l'ai acheté mais je la trouvais belle. Elle est très belle, puis c'est 4,3%. Fait que ça m'appelle encore plus. C'est surtout pour ça. Ah, c'est une. Ouais. Ouais.
Ouais, hein? C'est un Volkswagen. Non, c'est une petite BMW décapotable. Non, c'est un Volkswagen cabriolet. J'étais avec ça à mon bal de finissant du secondaire 5. Mention spéciale, mais elle était décapotable. Professionnel. Ça. Là. Chat! Oh! Ça sent dégueulasse. C'est quoi ça? Eh, hey, pour vrai, j'en ai plus pas mal, je commence à être dans la crise. T'es senti? Là, j'ai fait mon chien. Là, j'ai. Ok, t'as pas. Prépare mon vomi. Prépare le vomi. Genre, au début, on était tous du beau monde, bien habillé. Là, on a plus rapport. Là, on a un monsieur habillé en orange qui a un sac à vomi, une fille qui brasse une chaise, pis l'autre sur le coin qui a mis une toute petite clé. Avec mon crise de genre, ouais. Oh! Ça sonne à mousse. Ah ouais, vomi! Mais vomi dans le sac! Ouais, arrête de parler de vomi, ça parle mal, si je me travaille le contraire. Là. J'essaie de toute la conserver. Pense à une belle rivière avec des petits orignaux. La chute de bière. Une qui petite chute. Traverse le xylophone intérieur. Un paysage calme et apaisant. Une petite biche qui se promène. Une poule. Un petit dindon qui court dans le champ. Je vois. Une ferme. Je parle en même temps que t'es bien rendu loin. Un endroit peaceful. Pas de vomi. Un endroit où tu te sens bien. Tu vois, ça a marché, il n'y a pas trop vomi. On a quelle heure ici? Il est quelle heure? Ok, pour le goût, Marc vomit sur 10. Puis combien pour les clats? Oh, c'était pas bon, c'était genre 2. 2. On suit pas en fait. Ça veut dire que le résultat, c'est 2 familles. 2 familles sur 10. Super la superstar! Fait que là, la guitare avec la superstar, c'est la 30 IBU. Ça, c'est l'amertume. Moi aussi, j'avais pris ça. Tabarnak. Ça veut dire que ça va être 13 d'amertumé. Ça va être bon, on est ici, ça, à shotgunner, ça, d'amertume. Avec la petite crise de clé. Avec la toute petite colise de clé. Hey, je suis déçue, on dirait que je t'ai habitué à la mist agréable de Yeongju. T'as eu des yeux. Je suis en train de me dire, y a-t-il une larme ou y a juste de la bière dans l'œil? Il y a juste un lac manicouagan à l'œil. J'ai une larme, c'est trop dégueu. Moins 8 sur 20. Oh, moins 8 sur 20? Ugh. Moins 8 sur 20, ça veut dire moins 16 sur 10. Moins 16 sur 10. Ouais. C'est l'inverse. C'est moins 4 sur 10. Moins 8 sur 10. Chacune des catégories. Ah, non, t'as dit moins 8 sur 20. Ça veut donc dire que c'est moins 4 sur 10. Bon point. Fait que moins 4 sur 10 sur. Tu dis en administration ici, là. J'en ai fait 3 fois mon cours de finance. Hein. Ouais. Pas chez mon secondaire 1, moi ici. Ah, c'est terrible. Moins 4 pour les clés aussi. Ça me donne bien parce que t'es d'un bout qui écrit encore. Il est pas trop trempé. Tabarnak. Non, c'est parce que plus on avance dans la vidéo, plus il faut être inventif. Oui. Moi, je me suis trouvé un tabouret. 3, 2, 1. Oh! Oh! C'est quoi? Oh! C'est bon? Parce que ça goûte la mangue. Mais après ça, ça fait comme un coup de poing en face d'un chat de bateau. J'ai aimé cet outil. C'était pas le plus petit, mais c'était efficace. C'est sûr que c'est un peu plus simple à traîner quand tu vas au skatepark. La Ixon. On dirait que j'aurais vraiment aimé ça, l'aimer. Je mettrais 6. 5. Parce que ça passe pas en fait. 5. 7.5. J'ai tellement été satisfait. Je veux juste péter toute lumière avec mon banc à partir de maintenant. Une IPA sur le 7e ciel, ça me tente tellement pas. Mais il est marqué 5.7% de sourire. Je vais juste aller simple. Ah! Il dit 5 sur Yeongju. L'optimiste. Il dit ça m'a rafraîchi, non? Il faisait chaud un peu. Ah non, c'est ça. Ça sent le pamplemousse. Ouais, non. Il dit donnez-moi un sac, quelqu'un. Mais vas-y, dans ton sac. Non, non, regarde-toi, tes petites gouttes. Alors, l'autre, j'ai donné vomi. Le gars, il marque pas vomi sur 10.
Puis mais couleurs... le mist, c'était beau, c'était beau, c'était ah, vite, oui, c'était fort. Tout sur ouais, c'était tout sur moi, c'était, ouais, non, c'était beau. C'était fun, c'était fort, rafraîchissant, ouais. C'était jeune, c'était cool, c'était branché, ça déménage. Je vais prendre la parasol double IP, 8%, mais lui aussi, je 473 millilitres. Ben, merci de sacrifier pour nous autres parce qu'il y a 8%. C'est 8%, c'est dégueulasse en estime. Je vais peut-être la vomir, mais garde son jump cut. C'est pas grave, hein? Il dit on jump cut. Yeah. No stress. Oh, hey, c'est un faux départ. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est? Le lait, c'est oh! Je l'ai peut-être percé. Tu l'as percé en rêve? Wow! Oh, Sauve-moi, Scott! Yves, Scott! Fait que c'est bien plus de... Yves, Scott, de... mais... J'espère que vous avez vu la vague, le tsunami qui s'est dirigé vers notre laveuse sans aucun regret. Sauf que j'ai un Scott, aussi. Oh. Mais donnez-en un Scott, quelqu'un! Mais c'est la, oh, bière, c'est la bière la plus dégueulasse au monde! Genre, j'essaie de... Mes pieds font juste vraiment genre flotter. Ouais, mais je vais faire un petit barrage, shit. Il y a un petit vomi pour la route. Un petit vomi pour qu'après, tout se sente mieux. C'est de même que ça marche. Quand tu prends une petite pause vomi, après ça, tu te sens mieux pour les prochaines bières. J'ai encore envie. Oh, je vais m'essuyer avec ma cravate. Le goût. C'était la pire. La pire de toutes. Si c'est la paix, ça veut dire ouais. Moins 9. Ouais. Si c'est la paix. Moins 10. Oh. Ah. Alors, combien c'est... pour l'éclat? Ben, l'éclat était le fun. Un vidéo, il était surprenant. Moins 6. Ce qui fait donc moins 16. Il fallait que je change d'outil tellement que le premier outil, ça marchait pas. Ouais. C'était vraiment pour moi. Fait que là, moi, j'ai commencé et j'ai fini visiblement une bière de plus pour Billy parce que Billy est jamais sûr sur la. Fait qu'après avoir chugué 16 bières de microbrasserie trouvées au Depth Coin, on vous a établi le top 2 puis la pire chiennasse. La bière qui a eu la meilleure cote, c'est le Smutty de chez les deux frères. Suivi de très proche par la Boréale Temps des Plages. Je vous la conseille, dites même dans tous les depths. Puis ça, c'est la vieille chiennasse qui avait vomi, il y a dû. Drop un like, on va en racheter d'autres ici, puis on va vous en faire une autre vidéo la semaine prochaine. Puis là, il manque 4-5 mousses. À la semaine prochaine pour une prochaine dégustation! Yes, ciao, les bums!